Aujourd'hui, je vous propose une verrine de dindon et sa mayonnaise à la mangue. Nous avons besoin de cubes de dindon, de mayonnaise, de purée de mangue, d'oignon, d'ail, de menthe fraîche, de sirop d'érable et de jus de citron. Nous allons commencer par faire notre mayonnaise à la mangue. On met notre purée de mangue. La mayonnaise. On mélange bien. Nous allons assaisonner sel poivre. On vérifie l'assaisonnement. Notre mayonnaise est prête. On va maintenant saisir nos cubes de dindon. Dans une poêle bien chaude, on va mettre l'huile d'olive. On accélère le feu. Puis on place nos cubes de dindon. On étale bien nos morceaux de dindon. Les cubes sont maintenant bien colorés. On va ajouter les oignons et l'ail. On laisse cuire une petite minute en baissant le feu. La garniture est suée. Maintenant, on va pouvoir déglacer avec le jus de citron. On laisse légèrement réduire et on ajoute le sirop d'érable. On va laisser réduire pour bien enrober nos morceaux de dindon. Nos verrines sont maintenant prêtes à être dressées. Il ne nous reste plus qu'à ciseler la menthe très finement. Pour cela, il faut enrouler légèrement les feuilles. Faire de fines lamelles. La menthe finement ciselée est prête. On va pouvoir maintenant monter nos verrines. On utilise une verrine de moyenne taille. On met un fond de mayonnaise à la mangue. Il ne faut pas que ce soit trop goûteux, donc vraiment léger. On dépose maintenant le dindon. On redépose un petit peu de mayonnaise. Et on finit avec la menthe ciselée. On parfume légèrement avec la menthe. La verrine est prête. Je vous souhaite un bon appétit.